Bonjour à tous, ici HNA Virus, comme tous les vendredis, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Ark, que vous connaissez sûrement. Voilà, et on a décidé de vous présenter un jeu vraiment sympa qui s'appelle Nuclear Dawn, développé par Interwave. Et puis, c'est un excellent jeu, pas mal de teamplay. C'est dommage que ça soit un jeu, en fait, qui... Comment dire... tombe mort. Un peu... ouais, qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les serveurs. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière. Je me trompe pas, en 2011. Et c'est vraiment un excellent jeu qui mériterait d'être vraiment plus connu. Il coûte pas très cher sur Steam, je crois, en plus. 18€, et puis en général, il y a souvent des Steam sales, puis il coûte deux fois moins cher en général. Voilà. Donc, franchement, si vous avez un petit peu d'argent à dépenser dans un bon jeu, n'hésitez pas. On se fera un plaisir avec Ark de pourquoi pas faire une ou deux parties avec vous, dans un futur proche, sur un live ou un truc comme ça, ça pourrait être sympa. Alors, on va vous présenter également dans le jeu, on va faire une vidéo détente, ça sera posé, tranquille. Et puis, on va essayer de vous montrer quelques classes, les classes principales du jeu avec les possibilités qu'elles offrent. Alors je vais commencer dans l'ordre avec le assaut. Le assaut, il possède le kit d'infanterie, le truc de base. Le grenadier, il faut faire la recherche et on va expliquer ça. Ark, je te laisserai expliquer le principe du commander après, d'accord? Ouais. On a plusieurs kits disponibles et certains kits doivent être recherchés par... Ark va vous expliquer. Alors je vais rejoindre son escouade. Ouais, il y a un système d'escouade à la battlefield. Tu veux que je me mette en médic? Je pense que c'est commencer par assaut pour faire dans l'ordre les classes. Ouais, ok, fais donc. Ok. Alors assaut, et là on a sur la map des points blancs qui correspondent au point de spawn. Alors là, le point blanc que je vise avec le pointeur, c'est la base, notre base. On est les rouges, hein. C'est plutôt un cercle blanc. Ouais, un cercle blanc, oui. Parce que les points en fait, c'est la ressource. Il y a des points de différentes tailles. Plus les points sont grands, plus ils ont de valeur. Donc. Et alors donc, explique le principe du jeu, parce qu'en fait juste le jeu c'est un FPS mais c'est également un RTS, et donc Ark va expliquer pourquoi. Ouais. Vas-y. Ouais, alors en fait le type du jeu c'est qu'on est des équipes de 16 contre 16 et dans chaque équipe il y a 15 joueurs et un commandant. Donc les joueurs, leur but c'est de suivre les ordres du commandant, donc c'est logique, de capturer les ressources pour faire de l'argent pour le commandant, et d'être un peu les soldats du jeu quoi, comme dans un RTS classique. Et le commandant lui il aura une vue de la map à la première la vue du dessus, ouais, et RTS, il va pouvoir vue RTS, puis il va pouvoir justement construire des bâtiments pour aider ses soldats, peut aussi lui donner des ordres, utiliser des atouts spéciaux pour essayer d'enquiquiner un peu l'ennemi. Et le but sera justement d'aller détruire la base ennemie. Et pour ça, il faut que le commandant fasse des recherches pour augmenter la puissance de nos armes ou bien débloquer de nouvelles classes. Et grâce à ça, on peut plus en plus progresser vers la base ennemie et gagner ou perdre, ça dépend. Voilà. Bah ouais, je crois que t'as fait à peu près le tour, hein. Ouais, bah. Alors, le principe du jeu, c'est que, donc, comme dans la majorité des RTS, il y a des ressources. Par exemple, je prends un exemple, Age of Empires, il y a du bois, de l'or et tout ça. Et dans Nuclear Dawn, ça a été un peu simplifié quand même pour pas trop ennuyer le joueur et le commander. Mais en gros, le principe, c'est que vous avez, c'est les petits points bleus, les sortes de ronds bleus. Parce que vous voyez, il y a des carrés, ça correspond au bâtiment que votre commander a placé. Et les ronds bleus, ce sont des points de ressources. Et en fait, vous devez aller les capturer. Tiens. Kelvin, vous devez aller les capturer, et quand vous les capturez, ça donne plus de ressources à votre commander qui pourra créer des bâtiments et tout ça. Alors les bâtiments, il y en a pas mal. Il y a des points de spawn, pour faire simple, ça s'appelle comment déjà, les points de relais, Les transporteurs ou les téléporteurs, ça dépend. Les bâtiments sont différents en fonction de l'équipe qu'on a rejoint. Ok. Bon, Ark, tu veux qu'on aille où? Alors en fait il y a des petits points bleus et rouges, donc ça dépend quelle faction à capturer. Mais si vous voulez, le principe aussi c'est que... Alors là il y a pas mal d'ennemis, on va essayer de balancer des grenades. Le principe c'est qu'il y a un point au milieu, celui où on est avec Ark là, qui est... Je l'ai eu. Le point qu'on va capturer avec Ark, c'est un point qui demande au moins deux personnes pour le capturer. Et il donne beaucoup beaucoup de ressources. En gros, c'est le point principal, quoi. C'est le point de ressources principal. Aïe. Ouais, j'ai vu. Il y a un ennemi. Attends, je balance une grenade. Ouais, moi j'ai pas de grenade par contre. Ouais. Voilà, je l'ai eu. Ouais, nice. Ok, donc on va continuer de capturer le point. Donc après, il y a 4 classes. Chacune des classes
a leur pa- a sa particularité, la classe assaut a une vision infrarouge, enfin une vision thermique plutôt. Et ça permet de voir les stealth, je sais pas comment tu prononces. Enfin, les invisibles quoi. Ouais, les invisibles. Qui, bah, d'ailleurs là, le mec que vous voyez sur mon écran, lui, c'est un stealth, un mec invisible. Et la vision infrarouge permet de voir les ennemis invisibles. Ses alliés également, mais les alliés on les voit quand même s'ils sont invisibles. Enfin bref, donc maintenant, alors Arc il est en vert sur la map, que vous voyez en haut à droite. Hein. On voit en vert les mecs dans les squads. Oh. Non, on peut pas passer, ok. Donc bah le but c'est d'attendre un petit peu que le commander pose des... Oh le mec a fait un... Oh, bah voilà, là il y a un invisible. Merde. Aïe. Ah bah je l'ai eu. Je suis rentré dans les tours et l'ennemi comme un con. Ouais, il faut faire attention parce que les bâtiments ennemis, il y a des bâtiments de défense. Donc on a parlé des points de relais, ça c'est pas un bâtiment de défense, c'est un bâtiment... comment dire, de soutien, on pourrait appeler ça. Là, ben voilà, Relay Tower. Supply Station, non, les, ça vous permet... Les Relay Tower, c'est pour apporter de l'électricité, en fait. Ah oui, c'est les ça. Les trucs pour se téléporter, c'est Transport Gate, Ah oui, Transport Gate, ouais, t'as raison. Les Relay Tower, ça fait des filins rouges, et ça permet au Commander de placer des bâtiments. Ok. Alors là, on va faire un peu de la capture de ressources, parce que là, ils ont pris pas mal chez nous. Ouais. Alors il faut savoir que la classe assaut est pas mal pour tuer les ennemis, elle est efficace dans ça et puis surtout pouvoir dégommer les mecs invisibles, mais elle est assez faible en tout ce qui est destruction de bâtiments, et là vous avez pu voir qu'il y avait une machine gun, c'est assez difficile de la pourrir, parce que bah, le fusil d'assaut est pas fait pour ça du tout. On a une grenade, bon, je peux pas l'utiliser, on va essayer d'avancer un petit peu. Je suis le point blanc sur la map. Qu'est-ce qu'on pourrait expliquer d'autre, Arc? On pourrait parler des spécificités de chacune des classes. L'assaut, j'ai dit, c'est avoir une vision thermique. Ouais, il faut aussi savoir que certaines classes ont aussi des sous-classes, enfin des types d'armes. Par exemple, vous avez vu donc le... Comment ça s'appelle? Le Heavy. Ouais, je vais voir. L'Exo, voilà. L'Exo, ouais. C'est le mec qui a beaucoup de vie, qui est très très résistant, qui peut bien tanker, se mettre en avant et prendre les coups pour ses alliés. Et donc sa particularité, c'est qu'il a une arme faite pour détruire les bâtiments ennemis. Donc c'est pas super efficace contre l'infanterie, ça fait des dégâts, mais il faut savoir viser correctement puis avoir un bon timing. Mais c'est super efficace pour détruire les bâtiments. Et il a aussi une autre classe d'armes qui est justement le Gatling, donc la grosse mitrailleuse, qui fait absolument rien du tout sur les bâtiments, mais qui sont super efficaces pour nettoyer... un gros troupeau d'ennemis qui est en face. Voilà. Donc là, je viens de mourir. Donc on peut voir sur l'exo, ça c'est le Suppression Kit. C'est la grosse mitrailleuse qui fait bien mal aux ennemis, mais pas au bâtiment comme vient de le dire Arc. Et le Siege Kit, ça c'est le sort de gros lance-roquette qui fait hyper mal sur les bâtiments. Donc je vais le prendre pour essayer de bien pourrir les bâtiments ennemis. Il faut vraiment Faut savoir que justement, les types d'armes qu'on peut débloquer avec les classes, elles sont pas débloquées par défaut au début de la partie. Il faut justement que le commandeur il recherche la technologie pour pouvoir le faire. Ouais, c'est un RTS quoi. Le commander doit développer la technologie grâce au fond. Ça, là, y a Arc. Grâce au fond pour. Hop, tiens, il y a des ennemis là-bas, on va faire attention. Grâce aux ressources quoi. Et après, on va pouvoir débloquer la technologie et améliorer les soldats qui eux jouent en vue FPS. De toute façon, je vous mettrai dans la description une vue RTS du jeu pour que vous puissiez bien comprendre. Oula, il y a un ennemi. Fais attention, je suis en train de prendre pas mal de dégâts là. Moi je peux tanker un peu. Je suis mort. Oui, les exos ont une grosse masse de vie. Aïe, il me fait quand même assez mal. Parce que lui aussi. Ouais, donc c'est moi un exo. J'étais ingénieur là en ce moment. Donc ma particularité c'est que j'ai un outil pour réparer ou détruire les bâtiments. Et j'ai aussi deux caisses de munitions avec moi au cas où. Donc si quelqu'un a besoin de munitions, je suis là pour leur donner un peu. Et là j'ai changé, je suis devenu médecin. Donc maintenant je peux plus réparer les bâtiments, mais j'ai tout plein de trousses de soins pour distribuer à mes alliés au cas où ils ont besoin. Par contre, je suis pas résistant du tout en médecin. Donc là vous pouvez voir que super moi je tire pas mal de roquettes sur le... Alors qu'est-ce que c'est ça? Un strict fusion reactor. Les sortes de trucs bleus qui tournent là. Je me rappelle pas. Fusion reactor, le truc bleu qui tourne, ça c'est le truc qui donne de l'électricité, mais du côté ennemi. Ouais, du côté bleu d'abord. Bah, c'est l'équivalent des relais tower. Ouais. Ouais, j'ai Arc a beaucoup plus joué au jeu que moi. Il y a des trucs que je sais pas bien. Donc là, le bâtiment il est mort. D'ailleurs, en parlant de jouer au jeu, plus on joue, plus on gagne de niveau et de points d'expérience. Et plus on gagne de niveau, plus on débloque des atouts, ça s'appelle des gizmos dans ce jeu.
Puis ben ça fonctionne comme un système d'atouts classique de Call of ou de Battlefield. Ça ajoute une particularité, genre plus de dommages ou bien plus de munitions sur sa classe. Est-ce que t'as des munitions à arc? Non, je suis médecin malheureusement. J'ai switché. D'accord. Alors on peut évidemment, contre, comme à la Battlefield, demander des munitions dans une sorte de comorose. Ouais, d'ailleurs, on peut aussi, comme dans Battlefield, quand on voit un ennemi, on peut le, spot, on peut le repérer sur la map. Alors, ce qu'il faut que j'aille faire là pour récupérer des munitions, c'est qu'il faut que j'aille à un supply point. Il doit y en avoir un par là-bas. Ouais, c'est le petit truc là que vous voyez. Supply station. Et ça, ça va me redonner des munitions. On peut l'entendre au bruit d'ailleurs. Voilà, donc il y a vraiment un gros teamplay sur ce jeu, les armes sont hyper équilibrées, les développeurs font des mises à jour hyper souvent, malheureusement c'est dommage que le jeu soit pas beaucoup joué, mais honnêtement, comparé à Battlefield, franchement les développeurs sont beaucoup plus sur leur jeu. Bon, après le moteur graphique est plus simple à manier, c'est le Source, le moteur graphique qui a fait ses preuves dans de nombreux jeux. Ouais, là il faut que je détruise les tourelles parce que ça pose de gros soucis à l'équipe. Aïe, plus de munitions. Pour l'instant, je vais essayer de prendre un invisible. Voilà, c'est bon, j'ai pété de la tourelle. Ah, la flamethrower tourette, elle a du mal à se faire. Ouais. Alors, il faut savoir qu'on peut également quand même tirer les roquettes sur les infanteries ennemies, mais ça met du temps à tuer. C'est pas hyper puissant. Bon, on va faire le tour. Aïe, il y a un ennemi. C'est un exo. Alors, j'essaie de m'en occuper. C'est un exo. Ouais, c'est un exo. Et bah voilà, Arc là il est invisible. Ouais, t'es invisible. Donc l'exo ne va pas le voir. Attends, je trouve pas. Il est devant moi là. Il est là. Ok. Tu le vois ou pas? Je lui tire dessus là. Ah merde, il est de l'autre côté. Attends, je vais essayer de le contourner. Tu l'as eu? Ouais, ok. Donc moi là, tu t'es fait avoir justement par un invisible. Ouais, voilà. Attends, je vais essayer de l'avoir. Oh, il a un chapeau de Noël. Moi je vais changer de classe. On va jouer le stealth. Ah non, tu le joues. Bah, je vais d'abord jouer le support alors. Donc ouais. Le support, lui, bah, le truc principal à prendre, c'est le kit de médecin. Je pense que c'est le plus intéressant à jouer parce que ça redonne de la vie à vos potes et c'est hyper important. Mm-hmm. C'est comme si on jouait une partie à BF3 où il n'y a pas de soldats, enfin d'assaut. Donc il n'y a pas de mec qui revive, enfin qui donne des soins. Oui, on peut pas revive hein, par contre, hein. On peut uniquement donner des soins. Et il y a également une seringue qui vous permet d'être... Alors on n'a pas trop compris avec Arc à quoi servait la seringue exactement, mais on suppose que ça vous donne plus de résistance. Là il y a un ennemi, c'est bon, je l'ai vu. Ouais, donc on peut donner des soins, on peut donner, il y a un petit health qui apparaît. D'ailleurs c'est une mise à jour qui a été faite hyper récemment ça, parce que il y a une semaine ça y était pas les petits. Ouais non, ça y était pas du tout. Non, comme c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le jeu est vraiment mis à jour hyper régulièrement et c'est hyper agréable quoi. Parce que ouais, c'est... donc j'ai expliqué ma classe pour les invisibles là. Donc moi ma particularité c'est de pouvoir me rendre invisible. Donc là vous me voyez en transparent parce que je suis allié avec Guillaume. Ouais. Mais si j'étais dans le camp ennemi, il m'aurait pas vu du tout. Et j'ai un timer en bas à droite de l'écran qui apparaît pour me dire combien de temps il me reste avant que je redevienne visible. Puis après ça met un certain temps pour se recharger. Et bah, la particularité c'est que je peux m'infiltrer un peu dans la base et au travers les rangs ennemis. Bien capturé. Mais je me fais quand même repérer par les tourelles par contre. Voilà. Mais c'est... les joueurs humains ne peuvent pas me voir. Et j'ai aussi, avec la classe assassin, donc là je suis pas sniper, je suis assassin, j'ai deux lames, et si je vais derrière un ennemi en fait, et que je lui plante mes lames dans son dos, il meurt instantanément. Même s'il y a un ennemi juste devant là. Je vais essayer de démontrer ça. C'est bon, je l'ai tué. Ah bah je l'ai tué. Ouais, là vous pouvez voir, c'était le mec en face, c'était un exo, on peut le voir à sa grosse combinaison. Donc il a énormément de vie, j'ai dû mettre quasiment deux chargeurs entiers de PP2000, et en visant parfois un peu la tête pour le tuer. J'ai besoin de... Ouais, alors hop, je lui balance des soins, ça le régénère, ça me fait de l'XP. Oula, il y a un exo. Ah, attends, fais gaffe. Merde, il sert pas. Ouais, attends. Bah là on joue avec des bots. Enfin, on a des joueurs humains avec nous et en face, mais en majorité il y a des bots. Comme je vous le disais, le souci de ce jeu c'est que les serveurs sont un peu vides souvent. Bon là on est un peu une heure creuse, hein. Il est vendredi, il doit être. Ouais bah c'est vendredi pendant l'après-midi, les gens ils travaillent encore donc ils sont encore au cours et mais, tout. Mais le soir il y a moyen de vous faire des parties et je pense encore pendant 6 mois. Ouais, en général le soir il y a 4-5 serveurs qui sont assez pleins, et puis 2 ou 3 qui sont en moitié pas vraiment vides, mais qui a quand même pas mal de joueurs dessus. Bon.
Où est-ce que tu es? Ah, t'es dans le camp ennemi. Je suis dans le camp ennemi, je vais essayer de tuer le commandeur. Ouais, ah bah ils ont pas de commandeur en fait. J'ai plus de munitions, mais je vais arriver avec le pistolet. C'est pour ça qu'on gagne en fait, parce qu'ils ont pas de commandant. Ok. Ouais, ils ont plus de commandant en tout cas. Non, non. Mais il me semble qu'il a pas fait énormément de... Il y a des soins ici en fait. Ah, mais c'est pas grave. Ouais. Alors là, j'ai une grenade. Ouais, fais gaffe. Ça serait bien de prendre un exo et puis de faire un siège kit ici. Ouais, bah ce que je vais faire, c'est que... Ouais, j'ai déjà joué l'exo, j'aimerais bien jouer un peu le style. Je vais prendre le saboteur. Parce qu'en fait, chaque classe a ses particularités, mais il y a quand même des choses un peu différentes. Alors, comment on se suicide? Je crois qu'il faut... Dans la console, non? Ouais, dans la console, tu tapes slash kill, bien slash suicide. Slash die. Ah là, il y a un exo. Ouais, c'est ça. Il y a un exo, mais il a... Ouais. Il y a un exo ici avec nous. Je vais jouer le saboteur. Tu vas jouer le saboteur? Ouais, c'est la classe stealth. Voilà, donc il y a le kit assassin. Donc ça, c'est pour... vous l'aurez deviné sûrement, on se met invisible et puis on met un coup de couteau aux ennemis. Hyper efficace. Sauf pour les exos, encore une fois, c'est les gros mecs qui tankent bien comme un porc. Le sniper, qui est pas mauvais du tout si on vise la tête. Et qui tue en deux balles les exos si on met les deux balles dans la tête. J'avais fait le calcul à un moment. Et le saboteur, qui est intéressant à jouer. C'est en gros, on balance des sortes de Semtex qu'on fait exploser sur les ennemis, donc c'est pas mal. Donc là, vous pouvez voir que le commander a posé des points de réapparition. C'est les cercles blancs. Vous vous rappelez au début de la vidéo, je vous ai dit, c'est les cercles blancs, c'est pour spawner. Donc on va réapparaître quasiment dans le camp ennemi. Bon, il faut savoir que les parties sont en général plus difficiles que celles qu'on vient de faire. Hein. Là, oui, parce qu'en général, il y a plus de joueurs avec nous, puis ils sont surtout pas des bots, c'est des humains, donc... Ouais. Donc là, vous pouvez voir que ma vitesse de course a considérablement augmenté, parce que je joue une classe hyper légère, et je peux devenir invisible, comme vous le voyez. Et... Ouais, par contre, ça aurait été bien si tu aurais fait médic, comme ça je pouvais tanker la tourelle. Bah, attends, j'arrive, on va essayer de bazarder de petits... Attends, faut que je récupère... Oui, parce que la visibilité ne dure pas à l'infini, hein. Encore heureux. Bon, je vais... T'es ingénieur là? Non, je suis exo, puis j'essaie de détruire la tourelle. Ok, bon, je me mets en stealth et... Ah ouais, mais c'est vrai que même... Et oui, même en invisible, les tourelles, elles nous visent. Oui. Tu l'as eu la détection? Oui, je l'ai eu la tourelle. Ok, bon, j'arrive, on va péter les... Je suis en train d'essayer de péter les trucs de réapparition maintenant. Hop. Bon, là, il n'y a aucune résistance ennemie. Normalement, il y a plein d'ennemis dans leur base. Hein. Faut qu'on soit bien d'accord. Là, c'est surtout pour vous présenter un peu le jeu. Ouais, bah j'ai plus de munitions. Voilà. Ouais, bah en fait, c'est ça. Ah, il est en train de faire. C'est bon, il est en train de faire un truc de supply. Hop, voilà, ça se colle. Bon, il y en a que 3 malheureusement. Et hop, on fait péter, ça abîme les bâtiments. Bon, ça fait pas énormément de dégâts pour le peu de sorte de Pokéball qu'on a. Mais c'est pas mal quand même. Pokéball. Ouais, ça ressemble à des Pokéball. Ah, c'est bon, il a fait un kit de supply. Ouais, ce commandeur qu'on est tombé avec, il s'est super bien joué alors. Ouais. Bah il est très, humain, très bon. Hein, si j'ai bien compris. Hein. C'est Hangman, non? Ouais, mais je crois que les bots peuvent pas être commandeur. Bah on peut voir que lui, il a fait aucun kill, mais mais ouais, il est pas mal parce qu'il nous met les trucs au bon endroit, quoi. Alors, ouais, bah en fait, la raison pour laquelle l'équipe adverse a perdu, c'est parce qu'il y a personne qui a voulu faire commandant. Et puis du coup, bah ils avaient pas de support de la part des bâtiments et des points de réapparition. Bah du coup voilà, ça montre l'importance du commandant, parce que si vous n'avez pas de commandant, vous pouvez absolument pas gagner du tout. Voilà, on fait péter, le bâtiment est presque mort. Ouais. Ah bah il a mis On n'a pas parlé de la particularité de l'exo qui est de se... Comment dire ça? De s'accroupir, il peut plus bouger, mais sa précision est absolument... Oui, c'est son pouvoir, vas-y active-le Arc avant que la partie se termine. Ah ouais, mais je l'ai activé là. Voilà, bah là en fait... Si là j'ai même plus besoin de viser avec mon arme, je me suis accroupi, je peux plus bouger, mais maintenant je peux viser, je peux tirer avec une précision absolument incroyable. En gros, ça c'est bien parce que... Ouais, ça fait une sorte de mode tourelle quoi. Vous plantez sur le sol, vous pouvez plus bouger, vous pouvez juste tirer, mais ça rend votre précision incroyable à longue distance. Mais là, il y a un ennemi. Et ça, c'est bien pour le minigun, parce que justement, le minigun, il a une précision qui est pas terrible de loin, et du coup, vous devenez une machine à tuer avec ce truc. Donc là, je suis en train d'essayer de détruire le bâtiment, ouais, on va gagner facilement, le centre de commande ennemi. Ouais, c'est vraiment dommage qu'en face ils aient pas eu beaucoup de résistance.
Enfin, en tout cas, ce jeu il a énormément de potentiel. C'est vraiment dommage qu'il y ait aussi peu de joueurs. Parce que je pense que, avec un peu d'effort de la part des communautés, tout ça, si le jeu venait à ressurgir et renaître de ses cendres, il y aurait moyen de l'exploiter en e-sport. Alors, peut-être que le jeu manque de notoriété parce que bah, très peu de, par exemple, de youtubeurs ont fait des vidéos dessus. Ou alors parce que bah, Interwave a pas su faire une promotion assez suffisante, peut-être, je sais pas. Moi, en tout cas, j'en avais entendu parler sur Naufrag du jeu. Et bah, eux aussi, ils ont bien trouvé. Bah, tiens, on a pété le. Ouais, on a gagné là. Ouais, et après, la tourelle, elle m'a brûlé comme un con. Ouais, Naufrag avait dit que c'était un bon jeu, mais il tombait un peu bah, dans l'oubli, malheureusement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller l'acheter sur Steam. Franchement, il vaut le coup. Et puis, bah, nous, on vous dit à la prochaine avec Karp pour peut-être une nouvelle vidéo, qui sait. Hein. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. Su la famille. Bref. Allez, bye tout le monde, bon jeu à tous, et à la prochaine. Salut. Ciao.